Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo Halloween et on va faire le look de Morticia Addams, de la famille Addams que vous devez sûrement connaître. Elle était jouée par Angelica Houston pour les films des années 90. Donc on va commencer par se blanchir un peu le teint puisque quand même Morticia a un teint assez clair. Et ensuite je vais prendre du scotch dont je vais retirer le maximum de colle possible et je vais venir l'appliquer au coin de mes yeux en lien direct avec la pointe de mes sourcils pour pouvoir créer un smoky eye étiré un peu en œil de chat comme elle a dans le film tout simplement. Donc après avoir appliqué une base, je viens juste appliquer un fard blanc irisé pour n'importe quel fard que vous voulez et ensuite je vais prendre un fard noir mat. Donc j'utilise pour ça un pinceau à bout rond qu'on appelle un pinceau crayon et je vais venir en fait partir du coin externe et remonter dans le creux. Ce qui est génial avec le scotch, c'est que vous pouvez dépasser, vous pouvez en foutre par-dessus, ça change rien parce que du coup en enlevant le scotch après vous aurez un trait parfait et ça c'est génial. Et ensuite j'estompe un petit peu sur le dessus pour éviter d'avoir un trait trop précis et je rajoute bien sûr si besoin du fard si vraiment la couleur c'est beaucoup trop estompé. Et ensuite j'utilise un liner feutre pour faire un trait de liner assez épais, puisqu'elle a un trait de liner assez épais, voilà, tout simplement. Donc vous utilisez le liner que vous voulez, moi j'utilise un feutre parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Mais vous pouvez prendre un crayon, vous pouvez prendre un liner gel, vous pouvez prendre un liner liquide, faites ce que vous voulez. Et ensuite je retire les scotch et comme vous pouvez voir ça fait vraiment un trait super net. Donc je vais venir estomper légèrement et j'ajoute également du fard au ras de cils inférieur. Ensuite, je viens ajouter un petit peu de mascara, mais pas forcément beaucoup, parce que je vais rajouter des faux cils par-dessus juste après. Donc les faux cils, je les ai trouvés chez Claire's, voilà, tout simplement, ils n'ont pas coûté très cher. J'applique la colle, j'attends un petit peu, genre 30 secondes que la colle devienne un peu pâteuse, et ensuite je les applique. Alors moi, je commence par les appliquer au milieu, et ensuite je colle les bords, c'est ce que je trouve le plus simple. Ne vous inquiétez pas si la colle reste blanche pendant un petit moment, c'est juste qu'il faut qu'elle sèche, et après elle devient transparente. Donc là j'attends que ça sèche forcément. Ensuite je vais faire mes sourcils, donc je les fais noirs, puisque ben, comme j'ai les cheveux noirs, autant que j'ai les sourcils noirs. Si vous pouvez les faire assez fins c'est mieux parce que Morticia a les sourcils assez fins, mais bon après sinon c'est pas grave. Et je viens faire également du contouring avec un fard un peu brun. Essayez de trouver un fard qui soit froid et pas un fard genre un bronzer. Et ensuite je mets du rouge à lèvres, donc forcément le rouge à lèvres rouge. Là c'est le artiste rouge de Make Up For Ever. Et bien sûr, la perruque. Et tadam! Caramilla. Garde-robe d'hiver de l'oncle Ziggler. Garde-robe d'été de l'oncle Zigzag. Oncle Zig Grégoire. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de Grégoire sur Halloween et ses origines. J'espère sincèrement que cette petite série Halloween vous a plu. Vous retrouverez toutes les vidéos en playlist dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.